Okay, it's now time for member statements. Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole le 1er mai, Journée internationale des travailleurs, pour reconnaître les sacrifices et les contributions des travailleurs. Je suis ravi de représenter un parti qui a été mis en œuvre pour faire avancer les droits des travailleurs, les pensions, les conditions de travail. Non, ça n'a jamais été donné. Les générations de Canadiens ont lutté pour cela et je les salue aujourd'hui en ce 1er mai. Et je fais aussi cette remarque alors que c'est difficile pour moi d'être ici. Il y a des communautés avoisinantes de la mienne qui font face à beaucoup de dommages à la suite de la crue des eaux, des inondations. Et on a vu les travailleurs en pratique et j'ai vu avec mes propres yeux, lorsque je posais des sacs de sable en des situations d'urgence, j'ai vu les premiers intervenants et les militaires et je suis ravi de tous leurs efforts. Ils ont pu accomplir de grandes choses et en ce 1er mai, je voudrais qu'on puisse penser à ce qu'on pourrait contribuer à trouver une solution à la grande crise de notre ère, les changements climatiques, la pauvreté. Et il s'agit de pouvoir aider, nous aider les uns les autres pour accomplir de grandes choses. Le 1er mai, je voudrais penser à cet objectif de bâtir une province pour tous et non pas pour quelques personnes. Député de Mississauga-Malton, merci, M. le Président. Les greffes de la moelle osseuse luttent contre certaines maladies telles que le cancer et c'est remplacé par des cellules souches par un donneur. Donc, je prends la parole pour sensibiliser la population envers un registre. Il y a plus de centaines d'Ontariens qui attendent sur des listes d'attente à tous les jours, 3 sur 4. Dépendent sur des dons de moelle osseuse et ce n'est pas quelque chose de facile, surtout parmi les gens de l'Asie du Sud où il y a une chance sur 1 million parce qu'il y a très peu de donneurs. Je voudrais reconnaître un organisme caritatif de la grande région de Toronto avec, qui est en partenariat avec les services du centre de l'Ontario pour sensibiliser la population envers le registre pour les dons de moelle osseuse. Jasnu a attendu pendant 9 ans pour une greffe et il attend toujours. Donc, c'est pour cette raison que c'est si important de sensibiliser la population. Les gens de l'Asie du Sud ont seulement 5 % de ce réseau de la moelle osseuse. Et quelqu'un est décédé le 21 avril, après 3 ans, de ne pas avoir pu trouver quelqu'un pour donner un don de la moelle osseuse. Pour avoir plus d'informations, allez au site web onematch.com. Member statements, the member for York Southwestern. Député de York Sud-Ouest, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au nom de mes commettants. Des gens de York Sud-Ouest. Les derniers mois, il y a eu de grands défis dans ma circonscription. Ils sont en colère et frustrés avec les décisions de ce gouvernement. Les conservateurs de M. Ford ont fait campagne qu'il n'y aurait aucune coupe dans les services de première ligne. Mais la réalité sur le terrain partout dans la province est bien différente. Des programmes sont essentiels pour le succès de plusieurs communautés et très est miné. Tout cela à la suite des attaques de ce gouvernement envers les services de première ligne. Toutes les personnes qui veulent emprunter leur premier livre à une bibliothèque publique et aux élèves qui veulent avoir accès à des cours en ligne sans accès à l'Internet et les enseignants qui sont congédiés à la suite du manque de financement, ainsi que les personnes âgées avec un revenu fixe, seront très touchés par le budget du gouvernement conservateur. Les enseignants qui ont dévoué leur vie envers l'éducation et bien-être des enfants perdent leurs emplois partout dans la province. Ce gouvernement a tourné le dos aux Ontariens. Font en sorte que la situation ne va que mal en pire. Les Ontariens méritent mieux. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Cambridge.
Merci. Je prends la parole au niveau d'un événement, une organisation que vous connaissez très bien. Le 12 avril, j'ai le plaisir d'aller à un dîner des leaders chrétiens pour célébrer tout leur travail dans ma circonscription. Le mot « glean » veut dire d'aller récolter dans les champs, ce qui reste, et c'est aussi une référence biblique pour les récoltes pour ceux dans le besoin. C'est ce que cette organisation veut offrir en offrant leur service. Leur dîner était aussi durant la semaine internationale des bénévoles. Et je voudrais aussi soulever tous leurs efforts des bénévoles, non seulement à Cambridge, mais partout au monde. Leurs bénévoles ont pu récolter plus de 5 000 livres de légumes. Ils préparent toutes sortes de collations pour les enfants. Tout cela est donné à leurs partenaires qui offrent ces aliments dans différentes régions telles qu'Haïti et la Roumanie. Ils font de grands efforts pour alléger les effets de la pauvreté. Merci pour tout le très bon travail que vous faites. Thank you very much. Member statements. Merci beaucoup. Député de Kiwetinohk, Miigwech, Monsieur le Président, les Nations unies ont déclaré en 2019, en étant la Journée internationale des langues autochtones, le fait que la plupart de ces langues autochtones met à risque la langue et la culture des peuples autochtones. Nous avons 6 familles de langues autochtones, Mushkeguak, Anapi, Inuktitut, Anishchef, qui comprend plus de 18 langues uniques et qui comprend l'Ojibwe. La langue joue un rôle essentiel pour parler de l'histoire, le patrimoine d'une culture. Ils évoquent nos histoires et nous permettent d'avoir une vision du monde. À chaque année, nous perdons de plus en plus de nos langues. Ici, en Ontario, il n'y a pas de langues autochtones qui sont sans danger d'être perdues. On doit travailler ensemble pour défendre nos langues, notre culture. Je rends hommage à toutes les personnes qui font cela dans nos communautés. Miigwech. Member statements, the member for Orléans. Déclaration de député, député d'Orléans. Je prends la parole ici aujourd'hui pour partager une expérience de plusieurs personnes à Ottawa. Les inondations ont déplacé plusieurs personnes de leur domicile et ont des conséquences économiques. La fin de semaine dernière, alors que je travaillais côte à côte avec des bénévoles pour remplir des sacs de sable, pour atténuer les dommages. Ils ont fait part de leurs préoccupations. Je voudrais remercier les bénévoles, les leaders de la communauté, les militaires et les premiers répondants qui ont pu aider ces résidents en temps opportun. Ça marque aussi la journée des premiers intervenants internationaux. Les inondations, c'est démontre encore une fois tous les services que les premiers répondants offrent pour assurer la sécurité des citoyens. Au premier gala de collecte de fonds du Centre de secours alimentaire de Gloucester, qui tristement soulignait aussi leurs 30 ans de service. This food bank, as well as many others, is a ce centre de banque alimentaire est un rappel des besoins des communautés, des familles dans ma communauté. On doit faire mieux, M. le Président. Et dernièrement, je suis ravi de dire aussi que je vais accueillir 2 tables de concertation à Orléans sur l'autisme. Et je travaille aussi avec des leaders communautaires pour avoir des consultations sur les besoins des enfants dyslexiques et d'autres besoins spéciaux. Merci. Thank you. Member statements. Merci. Déclaration de député. Député de Barrie-Springwater, Oro-Medonte. Merci, M. le Président.
L'été, c'est un moment de l'année qui est très occupé dans ma circonscription. Des dizaines de milliers de personnes viennent à nos concerts, nos différentes foires. Un des plus grands, c'est un festival des arts et musique au centre-ville de Barrie. Il y a plus de 400 commerçants qui viennent participer à cet événement. Les entrepreneurs aussi peuvent offrir leurs différents produits et leurs services. Il y a plusieurs concerts, il y a plusieurs activités aussi qui sont offertes. Il s'agit de la communauté, d'offrir tout ce qui est de bien dans notre communauté. Pendant les 49 dernières années, les gens ont dévoué leur temps à cet événement. Plus de 200 000 $ ont été levés comme fonds durant cet événement. Ces fonds sont redirigés vers des organismes communautaires tels que le YMCA, le Club des Lions et le Club Optimiste et autres. Je voudrais remercier à tous les bénévoles et je vous invite à participer à cet événement le 5 août et de voir tout cet esprit communautaire qui se retrouve dans ma communauté. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Kitchener-Espeler-Sud. Merci, M. le Président. Il y a plusieurs événements dans ma circonscription la semaine dernière pour célébrer la Journée de la Terre. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs avec ma fille Irene. Dans ma circonscription, des résidents se réunissent pour cet événement pour ramasser les déchets. Et en dépit de la météo, il y avait beaucoup de personnes qui ont participé. Le ministre de l'Environnement, M. Phillips, et Mme Kenjin étaient aussi là-bas pour une table de concertation sur l'environnement avec la Chambre de commerce. Il y avait un forum sur l'énergie aussi. Ils ont aussi célébré la Journée internationale de la Terre. Et pour ceux qui ont accès à cette banque alimentaire, il y offre d'autres services aussi pour les enfants, les femmes enceintes. Et l'événement préféré de ma fille, c'était une activité pour planter des arbres dans ma circonscription. Il s'agissait de la vision de l'enseignant, M. Nanty, qui appuyait les élèves et voulait faire une activité familiale pour la Journée de la Terre, à savoir comment la Terre a été touchée par les colonisateurs et tout le travail qui est fait pour rétablir les écosystèmes. On a aussi parlé des pratiques autochtones pour la gestion de la terre et tous les efforts qu'on peut faire pour la viabilité de l'environnement. Et ma fille a dit que son expérience préférée a été de pouvoir planter deux arbres. Thank you. Member statements, the member for Eglinton-Lawrence. Merci. Déclaration de député, député d'Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion d'aller à un événement du patrimoine des Noirs, des prix Jerome Awards. C'est un homme qui a gagné une médaille olympique en nage. Et c'est un événement qui reconnaît les contributions des personnes noires dans la région. Ils reconnaissent plusieurs compétences. Il y a Wendy Blackis, Russell Westlow, M. Lewis, Karen Burke, Paulette Senior, Eskel Level, Ross Simmons, Shaquille Smith, Francis Ann Solomon, Ray Williams et le Dr. Wei Wudofa, ainsi que Grace Foods. Fut un grand honneur pour moi d'être là et aussi de voir d'autres députés ici, ce qui comprend le premier ministre ainsi que le ministre de l'Environnement. C'était aussi bien de pouvoir partager cette occasion avec plusieurs amis, des voisins de Eglinton-Lawrence, qui comprend Owen Hines, directeur de Pathways for Education dans la région de Lawrence Heights, ainsi que des anciens diplômés et leurs familles. J'espère que
des événements que celui-ci, tels que celui-ci, va inspirer des accomplissements pour tous les jeunes Canadiens et j'ai hâte de pouvoir participer à d'autres événements de ce type à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de Brampton Centre. Désolé. Il y en a quelques-uns de nous qui viennent de Brampton, donc je peux comprendre la confusion. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en tant que porte-parole pour la procureure générale. Je voudrais reconnaître tous les champions qui sont ici, qui luttent contre les coupes de ce gouvernement envers l'aide juridique. Nous avons appris que le gouvernement coupe 130 millions de dollars, un tiers du budget de l'aide juridique. Ça veut dire que les gens qui sont les plus vulnérables dans notre province n'auront pas accès à la justice qu'ils ont besoin et qu'ils méritent d'avoir. Ce sont des gens tels que des mères monoparentales qui fuient la violence conjugale et domestique et qu'ils aient les soutiens en vertu de la POSPH. C'est des gens aux prises avec la pauvreté, des enfants qui n'auront plus accès à la justice, Monsieur le Président. C'est très préoccupant la direction dans laquelle ce gouvernement nous mène, et surtout concernant le système de justice. Les gens vulnérables, tels que les réfugiés, les nouveaux arrivants qui ont de la difficulté à naviguer le système, n'auront pas l'occasion non plus d'être représentés par des avocats de l'aide juridique. C'est préoccupant que le gouvernement tente d'utiliser des mots tels que moderniser le système juridique, alors que ce qu'ils font, c'est d'empêcher l'accès aux citoyens d'avoir accès à la justice qu'ils méritent d'avoir. Merci, M. le Président. Thank you very much. Merci.